Bien sûr, mes parents. Mais qu'est-ce qu'ils font? Chatouille. 1 h du matin? Tu parles d'une heure pour se chatouiller, toi? Franchement. Je veux dormir, là. Oh, arrêtez de rire. Il est mou, mon oreiller. Ouch. Mon oreiller a fondu. Voyons, c'est bizarre. Je comprends rien là-dedans, moi. Ouch, mon cou. Hey, il est quelle heure, là? Salut. Quelle heure il est, là? Il est l'heure qui était hier à la même heure. Bon, parle-moi de ça. Quelqu'un qui rit en se levant. C'est la preuve que t'as bien dormi. Moi, bien dormi. Et comment ça, mon Robin? Ben, qu'est-ce que vous faisiez, donc? Qui ça? Quand ça? Ben, toi puis maman, là, cette nuit, là, on dirait que vous faisiez du jogging dans votre lit ou vous chatouillez. En tout cas, je vous ai jamais entendu rire comme ça, moi. Pamplemousse, mon Robin? Pourquoi tu criais, toi? Moi, je criais? Ben, voyons, t'as dû rêver ça. Non, j'ai pas rêvé. T'as poussé un grand cri, là. Je pensais que tu t'étais fait mal. Ah bon? Je me souviens pas de ça. Qu'est-ce que vous faisiez, donc? Oh! Ah oui, ça me revient, là. J'ai effectivement crié à un moment donné. Vois-tu, Robin, je me suis tiré par-dessus ta mère pour allumer la lampe. Mais mon bras était pas assez long. Alors, je me suis levé à tâtons, et puis, je me suis cogné le gros orteil contre le cadre du lit. Ah! C'est ça, c'est exactement ça, c'est à ce moment-là que j'ai crié. C'est pas si drôle que ça. C'est pas une raison pour rire toute la nuit, en tout cas. Ben, pas toute la nuit, faut pas exagérer quand même. Un pamplemousse? Pourquoi vous étiez si essoufflé, là? Ah, ça, c'est à force de rire. Tu sais, ta mère est tellement ricaneuse. En tout cas, vous m'avez empêché de dormir. Ben, dis-toi bien, Robin, que la prochaine fois que je me cogne le gros orteil, motus, je ne ris plus. Phew. Qu'est-ce que t'as dit? Moi? Rien. Rien, mange ton pamplemousse. Oh, ma petite Stella! Allô? Oh, quelle nuit, mes amis, quelle nuit! Ouais, tu peux le dire, quelle nuit! Oh, je viens de passer une nuit de rêve. Oh oui, une nuit des mille et un rêves. C'est comme ça que je l'appellerais. T'as fait mille et un rêves? Oh, pas un de plus, pas un de moins. T'as vraiment fait mille et un rêves? Non, non, pas vraiment, Stella. Mais chose étrange, c'est que tous mes rêves avaient une chose en commun. Oui, il se passait dans le passé. Ah oui, je voyageais d'une époque à l'autre. J'étais tantôt un viking, avec mon casque à cornes et mes longues tresses blondes. Et le rêve d'après, je me retrouvais coureur des bois au premier temps de la colonie. Puis me voilà dans le premier satellite russe lancé en orbite autour de la Terre. Arrête, un moment d'arrivée, tu m'étourdis, là. Mais tu sais que depuis déjà des semaines, c'est là que je travaille sur ma machine à voyager dans le temps. Mais tout allait bien quand il s'agissait d'aller dans le futur. Mais mon rêve maintenant, c'est d'aller dans le passé. Alors je m'acharne, tu comprends? Je m'acharne. Ah, oh, mais je comprends. Tu veux tellement aller dans le passé que tu rêves que tu y vas, hein? Mais c'est exactement ça. Et je sens que le jour approche où tout cela ne sera plus un rêve, mais bien une réalité. Ouais. Je sens surtout, Stella, que ce jour, et c'est aujourd'hui, oui, alors je vais faire les dernières mises au point sur ma machine. Et rien ne pourra m'arrêter. Hé, hey, mon oncle! Oui? Depuis quand tu te promènes avec juste une pantoufle?
Ah, oui, je sais. Hey, c'est un mystère. Ce matin, plus de pantoufles gauche en dessous de mon lit. Disparu. Mais voyons, une pantoufle, ça s'ouvre pas comme ça, hein? Mm. Il faut un pied dedans. Ben, je sais. Oh, mais il faut pas trop que j'y pense. Oh, quand j'y pense, si belle pantoufle, si chaude, en pure laine vierge de mouton d'Écosse. Oh. Inquiète-toi pas, mon oncle Darius, hein? Je vais te la retrouver, moi, ta pantoufle. Ah. Lola, va manger tes céréales avant qu'elles deviennent trop molles. Oui, hein? Ma petite Stella. Bon. Mon oncle Darius, viens voir ça! Bonjour, mon petit coquelicot! Ah, ça fait longtemps que tu m'as pas appelé comme ça, hein? Bien dormi? Mais... avec vos rires et vos cris, là, ça m'aurait pris des bouchons dans mes oreilles. Un demi-pamplemousse, Violette. Tu nous as entendus? Mais c'est vrai qu'on riait un peu fort, mais c'était tellement drôle, hein, Léon? Vois-tu, Robin, la nuit dernière, avant de dormir, je faisais mes mots mystères. Oui, et puis je suis tombée sur le mot zizi. Voyons, je suis plus capable de parler, moi, ce matin. Zigouiller, oui, c'est ça, le mot zigouiller. Ah, ça m'a toujours fait rire, moi, ce mot-là. Léon aussi, ton père aussi, hein, Léon? Zigouiller. Ah bon? Hey, je pensais que c'était ton orteil qui te faisait rire, toi. Non. Ben, tu vois, Robin, tantôt, je plaisantais. C'est exactement ce que ta mère a dit qu'on faisait la nuit dernière. C'est ça, on faisait des mots mystères. Eux puis leurs histoires, là. Pour moi, ils se faisaient des châteaux où ils s'embrassaient. J'aurais peut-être pas dû leur parler de ça. Ils sont devenus rouges comme des tomates. Ouais, eh bien, je devais avoir la tête dans mes rêves pour passer à côté de ça, je n'ai rien vu. La bourrure de mon oreiller? Incroyable. Hémisphère de... Stella, vois-tu ce que je vois? Hein? Ma pantoufle? Mais oui, ma pantoufle au complet est intégrée à cette curieuse installation. Oh, c'est pas laid, par exemple. Ben. Bon, enfin, disons que c'est moderne. Hmm. Attends. Allez, oups, là. Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Hein? C'est quoi votre petit jeu? Je pense que je commence à comprendre. Oh, oh non! Oups! Qu'est-ce que tu fais, là? Une chance que c'est un cancer? Ah, ben oui. Hey, oups! Qu'est-ce qui te prend, donc? Hein? C'est toi qui as vidé mon oreiller et la pantoufle de mon oncle Darius? Non, non, non! Là, calme-toi un peu! Oh! Bon. Salut, tout le monde! Allô? Robin. Qu'est-ce qu'ils ont fâché? Regarde! Regarde! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Stella, écoute-moi un instant. C'est bizarre, ça. Mais... Hey! Hey! Mais c'est le cahier de mathématiques que je t'ai prêté, ça? Oui! Les enfants, réfléchissez un peu. À quoi vous fait penser cette chose? À un flink-a-flang. Un flink-a-flang? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est ça. Ah bon? Moi, ça me fait penser à une espèce de nid. Ah! Un nid! Voilà! Le mot est lancé. Mais comment ça, un nid? Hé! Ça veut dire qu'il va avoir des bébés? Hé, hey, mon oncle Darius! Ça veut dire que les ours vont avoir des bébés? Yay! Yeah! Hey, je veux voir! Doucement, là! Tiens, regarde, ils veulent pas qu'on les voit. Non, mais pourquoi ils veulent pas? Je veux voir, moi! Attention, Stella! Tu devrais savoir qu'en général, les animaux protègent instinctivement leurs bébés. Alors, il faut pas brusquer les choses. Bon. D'accord, hein? Je vais vous parler tranquillement pour qu'ils comprennent, hein? Bon. Mes petits amis, hein? Vous me connaissez, hein? Oui, puis vous me connaissez aussi, hein? Mm. On va juste voir si vos bébés, ils sont aussi beaux que vous deux. Hé, hey. Regarde, ça marche. Parfait! Vite, je vais voir! Attends! Stella, attention!
Regarde, ils nous font de la place. Allez, tranquillement. Merci, Léo. Oh, j'aurais quelque chose. Mal fait. Attention, c'est là. La poussette, c'est pas une poule, quand même. On n'a pas affaire à un œuf, là. Ah non? Ah non, 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 non. Ça, c'est un oubrion. Un oubrion? Oui. Ah, c'est bien drôle de nom. C'est un drôle de bébé, aussi. On ne sait pas encore s'il y a un petit oups dans cet oubrion-là. Non, fais-moi pas peur. Ben, on ne sait pas si c'est un oubrion qui a été fécondé. Fécondé? Ouais, tout dépend si la semence du papa oups. Non, non, moi, ce que je veux savoir, là, c'est quand est-ce qu'on va le savoir s'il y a un bébé à l'intérieur? Oh, mais écoute, c'est là. Je sais pas tout, moi, sur la reproduction des oups. Non, il faut s'armer de patience. Très important. Non, un changement devrait se produire dans les prochaines heures. Et c'est à ce moment-là que nous saurons si, oui ou non, il y a un petit bébé oups dans l'oubrion. C'est compliqué, puis c'est long, plusieurs heures. Bon, mais moi, je vais en profiter pour aller à la quincaillerie nationale. Oui, je vais acheter des pièces qui me permettront d'améliorer ma machine à voyager dans le passé. Ah oui, j'oubliais, les enfants. Il ne faut surtout pas toucher à l'oubrion. Les animaux n'aiment pas du tout qu'on touche aux petits qui sont en train de naître. Alors, patience, tout le monde. Ah oui. J'espère qu'il y a un bébé dedans. Oui. C'est ça à quoi je pense? Non. Ben, quand on était plus petit que rien. Tu veux dire, quand on était dans le ventre de notre mère? Ouais. Sais-tu comment ça se fait, toi, les bébés? Des bébés? Oui, je le sais. Toi, sais-tu? Oh, ouais, un peu. Hey, tu devrais me dire comment ça se fait, puis moi, je vais voir si c'est la même chose que moi, hein? Non, non, commence, toi. Non, non, vas-y, vas-y. Oh, toi! Ben, tu sais même pas! Hein? Moi, je le sais pas! Ah, oui, monsieur, je le sais, puis tu vas voir comment je le sais. Robin, t'as pas le droit de regarder avant que j'ai terminé. Bon, là, j'ai terminé. Bon. Tiens! Hey, ils sont tous nus. Oui. Ah oui, regarde, c'est pas compliqué, là. Bon, là, t'as le monsieur, là, t'as la madame. Là, ils couchent ensemble, puis là, ben, après, tu le sais. Ben, quoi? Ben, quoi? Ils font l'amour, là. Ben oui, mais après, là, continue. Après, ça fait un bébé, c'est tout. Ben, dis-le donc, tu sais pas plus que moi, ça le fera encore. Tu sauras, Robin Brisard, que je le sais, hein? Mais là, j'ai plus le temps de parler de ça, il faut que j'aille m'occuper de mes oups, c'est tout. Léon Violette. Bon, là, j'ai juste à le laisser traîner sur la table. Quand ils vont le voir, ils vont bien être obligés de dire quelque chose. Puis là, je vais en profiter pour poser ma question. Oh non, je peux pas faire ça. Tout à coup, il se fâche. Bon, puis tant pis, il se fâche. Hein? Moi, je veux savoir. Oh, t'as fait pousser, Robin. Oh, tu sais que ma mère va voir mes dessins. Léon, Violette. Viens donc voir ça, Léon. Robin a fait notre portrait. Ah oui? Est-ce que je suis ressemblant? oui. Ah, c'est bien, toi, ça, Violette. C'est ressemblant. Oh, c'était juste une blague, hein? C'était pour rire. Décidément, veux-tu me dire ce qui se passe avec lui aujourd'hui? Notre fils a l'air de se poser de grandes questions, Violette. Bon, si je veux que mes oups s'occupent bien de leur oubrion, faut que je les garde un peu. Ah, c'est toi? Ouais. Puis, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Est-ce qu'ils t'ont expliqué? Ben, finalement, je leur en ai pas parlé parce qu'ils aiment pas ça parler de ces choses-là, eux autres. Ah oui, mais comment on va faire pour savoir si tu leur demandes pas? C'est pas nécessaire. Bon! Allô? Et j'ai tout ce qu'il me faut. L'oubrion, est-ce qu'il y a du nouveau? Eh bien, faut que je me mette à l'œuvre au plus vite, moi. À nous deux, machine!
Je pense. Pourquoi tu poses pas la question à mon oncle Darius? Il a tellement le tour d'expliquer les choses, lui. Non, 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 c'est pas nécessaire. Hein? Pourquoi? T'es gênée? Ah non? T'es sûr que c'est pas parce que t'es gênée? Non, non, je suis pas gênée. Ah, bon. Eh ben, oncle Darius, hey, je reviens, je vais faire non! Qu'est-ce que tu dis, c'était là? Chose, mais il est gêné de te le demander. Voyons, Robin. Mais non, ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas de question insignifiante. Bon, je vais le demander pour toi, moi, d'abord. Non! Robin, pose-la ta question. Oh, c'est parce que je voulais savoir, là, comment ça se faisait, les bébés. Bon, tu vois, c'est pas gênant. Oui? C'est quoi la réponse? Oui, mais c'est le genre de question à laquelle on répond pas avec un clin d'œil, hein? Mais dis-moi, Robin, as-tu essayé d'en parler avec tes parents? Oh oui, mais je suis pas capable. Pourtant, c'est tout à fait normal d'avoir envie de savoir d'où on vient et puis comment on a été fait. Oui, mais les parents de Robin, là, ils aiment pas ça parler de ça. Hein, Robin? Non. Ouais. Ils deviennent rouges comme des tomates. Effectivement, il y a bien des gens, bien des parents puis des enfants qui sont gênés de parler de sexualité. Mais il faut passer par-dessus sa gêne parce que tout ça, c'est naturel. Ah non, c'est beau. C'est très beau, les mystères de la vie. Ah oui, c'est très, très beau. Bon. Écoute, Robin, voici ce que je te suggère. La meilleure chose à faire, c'est de demander en premier à tes parents de t'expliquer. Ouais, peut-être. Ben, et puis, si tu n'y arrives pas, eh bien, tu reviens m'en parler. C'est tout. Bon, eh bien, moi, il faut que j'avance si je veux reculer. Je vais reculer dans le temps. Bon, moi, il faut que j'aille donner du maïs à mes oups. Ouais. Demander à mes parents. Je sais même pas par quoi commencer. Je l'ai enfin trouvé! Quoi donc, mon Léon? Mon livre, La sexualité de A à Z. Tiens, Violette, t'as juste à lire ça. Je serai en mesure de répondre correctement aux questions de notre fils. Oh, parce que c'est moi qui veux parler à notre fils! Mais t'es meilleur que moi pour parler de ces choses-là. Il n'en est pas question, Léon Brizard! On était deux pour le faire, cet enfant-là. Alors, on va être deux pour lui dire comment on l'a fait. Papa, maman! Oh! Le voilà justement! Oh, un instant! Faut que je me rafraîchisse la mémoire de A à Z! Bon, j'ai quelque chose à vous demander. Oh, je le sais ce que tu veux! Tu veux de l'argent, mon beau Robin? Tiens, un beau dollar! Ah, oh, merci. Non, non, c'est pas ça. Oh, t'as faim? Bouge pas, je vais te préparer une petite collation. Mais non, j'ai pas faim. J'ai quelque chose... J'ai une question. Hey, vas-y, mon Robin, vas-y. Pose-la ta question. Oui. Je... Bon, ça y est. Je savais que je serais pas capable. Et que c'est donc gênant de poser ces questions-là. Oh, Robin! Hey, Robin, vas-y, pose-la ta question. Hein? Oh, oui. Je voulais savoir... Comment vous aviez fait pour m'avoir et puis comment ça se faisait des enfants? Bon, bien, on va commencer par le commencement, hein, Léon? Commençons donc. Allons-y avec la lettre A. Ouais. Bon, il faut commencer par te dire, mon Robin, que la première fois qu'on s'est rencontrés, ton père et moi, on a tout de suite été attirés l'un vers l'autre, hein, Léon? Attirés? Je comprends, on était comme deux aimants. Oh, c'est long. Il se passe rien. L'oubrion n'a même pas changé le poil. Qu'est-ce que tu veux, Stella? On peut rien y faire. Faut laisser faire la nature. Ah, oui. Et toi, est-ce que ça avance, ton affaire? Et comment? Je viens de serrer la dernière vis de cette petite télécommande qui me permettra, quand je serai dans le passé, de ne pas perdre de temps. Et je t'explique. Tu vois, quand je serai dans le passé, je vais pouvoir faire des avances et des reculs rapides et faire des sauts de plusieurs années, si je le veux. Oh, wow. Ça a l'air compliqué, ton affaire. Oh, c'est quand même dommage que je ne puisse pas faire un petit essai. Depuis le temps que j'en rêve et puis dire que tout est là. Comment ça, tu peux pas faire un petit essai? Mais je peux pas te laisser seule avec les oups dans un moment pareil. Oh non, non. Non, je peux me débrouiller, hein? Le Robin est là. De toute façon, il se passe rien, hein? Non, non, je suis sûre que t'aurais le temps de faire ton petit essai. Ouais. T'as peut-être raison, ouais. Un petit essai. Mais oui,
Mais tu as raison, Stella. Un petit essai. Non, je serai pas partie très longtemps. Hein? Non, juste le temps de faire un petit test pour voir si ma machine fonctionne bien. Où aller? Où aller? Je sais. Je vais aller faire un tour dans la préhistoire. Rien de moins. Oui, allons faire un retour au début de l'humanité. Alors, je programme. Alors, je programme la machine, disons, pour 400 000 ans avant aujourd'hui. 400 000 ans? Hey? C'est ça que t'appelles un petit essai? Tu veux retourner 400 000 ans en arrière ou une journée, c'est pas plus long. Il faut que la machine fonctionne telle que prévu, naturellement. La préhistoire, les dinosaures. J'en reviens pas. Eh bien, moi, je sais que je vais en revenir, ma petite Stella. Tiens, prends ça, s'il te plaît, et donne-moi mon chapeau. Chapeau. Bien gentil. Oui. Merci, ma petite Stella adorée. Au revoir. À tantôt. Alors là, quand le pénis du papa est dans le vagin de la maman, après un certain temps, des milliers de mini-minuscules spermatozoïdes s'échappent du pénis. C'est quand même extraordinaire de pouvoir voir des photos de ça, hein? Hey, c'est comme quand on regarde au microscope. On continue. Alors là, les spermatozoïdes n'ont qu'une idée en tête. Se rendre à l'ovule. Tu te souviens de ce que c'est, l'ovule? Bien oui, Léon. Ben voyons, Violette, je te parle pas, je parle à Robin. Oh. Puis, Robin, tu te souviens? Oui, je me rappelle. C'est l'œuf qui descend dans l'utérus de la maman. Bon. Bon, regarde. Les spermatozoïdes s'approchent à toute allure de l'ovule. Regarde ça. Mmh. Mais un seul réussira à pénétrer. L'ovule est fécondé. C'est la première cellule. Puis là, la cellule s'est transformée. Hé, hey, on dirait un haricot germé. Oh, ici, on est déjà plusieurs semaines plus tard. Ouais. La cellule ressemble de plus en plus à un bébé qui flotte dans l'utérus de sa mère, un peu comme dans un ballon d'eau tiède. Et puis, si tout va bien, là, le petit fœtus, bien entouré par sa maman, va devenir un beau petit bébé. Hein? Wow! Sais-tu ce que je trouve de plus surprenant, là? Non. C'est que si c'était un autre spermatozoïde de mon père qui avait gagné la course, là, puis si c'était un autre là, qui serait entré le premier dans l'ovule de ma mère, là, ben moi, je serais peut-être complètement différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'aurais peut-être les cheveux frisés. Ou j'aurais peut-être les yeux d'une autre couleur. Hey, j'aurais peut-être même une fille! Oh, wow! Ça, ça aurait été génial! Ben, comment ça? On aurait pu se prêter du linge. Ben, je peux te prêter mon veston? Non. Je vais faire... Mais qu'est-ce qu'il y a? Hey. Le brillant a grossi. Oh là là, mes amis, les Oups nous font des surprises aujourd'hui. Verrons-nous bientôt un bébé Oups sortir de ses tout brillants? Robin, curieux de savoir comment se font les bébés, a trouvé le moyen de surmonter sa gêne et celle de ses parents pour en connaître un peu plus sur sa propre naissance. Mais Stella et Robin n'ont pas fini de se poser des questions. Et que signifie l'étrange changement du précieux oubrion? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. On a vu Robin, Stella et Darius faire une étrange découverte. La houppette a accouché d'un oubrion. Mais nos amis doivent s'armer de patience, car on ne sait pas encore s'il y a bel et bien un petit oups dans cet oubrion. Cela amène Robin à oser poser à ses parents des questions sur la naissance des bébés. Pendant ce temps, Darius, qui a mis au point sa machine à voyager dans le passé, décide d'aller faire un petit tour dans la préhistoire. Restés seuls, Stella et Robin découvrent que l'oubrion s'est transformé. Voyons vite la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Oh, il me semble que ça se peut pas. Mais oui, ça se peut. Ton oncle a dit que ça changerait. Non, mais il y a des limites. T'as rendu compte? Il est rendu au moins deux fois plus gros. Oui, mais tu devrais être contente. Ça veut dire qu'il va avoir des bébés oups. Oh non, ça veut pas nécessairement dire ça. Mais oui, ton oncle a dit. Non, je me souviens très bien de ce que mon oncle a dit. Hein. Il a dit qu'il fallait attendre. Mais oui. Qu'il y aurait du changement. Oui, c'est ça. Puis quand ça changerait, ben c'est là qu'on saurait si oui ou non, il y aurait un petit oups à l'intérieur. Alors, peut-être que c'est oui, mais peut-être que c'est non. Ah ouais. Oh non, Robin, moi, là, moi, ça m'inquiète, hein? Ça m'inquiète.
Il faut faire quelque chose. C'est pas normal. Moi, je dis qu'il faut pas y toucher. Il faut laisser faire les oups. Non, mais les as-tu regardés, les oups? Les as-tu vus? Oh non, moi, là, je les ai jamais vus comme ça. Mais je comprends que tu les as jamais vus comme ça. Ils en ont jamais eu, d'oubrions. Non, mais ils sont tout énervés. Mais non, regarde. Ils sont contents. Je les connais, moi, mes oups. Ben, moi aussi, je les connais, tes oups. Bon, hey. Si je connais pas pour ça. Oups, mon oncle Darius était ici aussi. Pourrait nous dire qu'est-ce qui se passe, là? Oh, c'est extraordinaire. Oh non, le mot n'est pas trop fort. C'est extraordinaire. Si je ne me trompe pas, je suis présentement dans la préhistoire. Oh, oh, que c'est excitant! Oh. Oh, j'en crois pas mes yeux. J'en crois pas mes yeux. Je me trompe pas, c'est bien les alériums. Oh là là! Oh, quelle bête! Un animal préhistorique en chair et en os. Oh, oh. Ah non, y a pas de doute. Y a pas de doute, je suis dans la préhistoire. Ah oui. Par contre, depuis mon arrivée, je n'ai pas vu d'être humain, moi. Je suis peut-être reculé trop loin dans le temps. Et l'homme primitif n'a peut-être pas fait son apparition dans l'histoire. Ouais. Je l'ai, Darius. Mais oui, voyons. C'est l'occasion rêvée pour tester mon appareil. Ah, donc, si tout fonctionne bien, en appuyant sur l'avance rapide, je vais pouvoir me retrouver... Dix mille ans plus tard. Et rencontrer un australopithèque ou un pithécanthrope. Enfin, je crois, moi, un ancêtre de l'humain tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, j'essaie. Oh, mais... c'est... Oh! Ça me choque assez. Pour une fois, là, qu'il se passe quelque chose d'important à la maison, il faut que tout le monde soit parti. C'est vrai, on a besoin d'aide, mais il y a personne. Comment ça se fait qu'il y a personne à la maison? C'est parce que Doris, là, elle donne un tour de champ à l'extérieur de la ville. Puis? Et puis, elle peut pas être à deux places à la fois. C'est à cause du tour de champ de Doris qu'il y a personne dans la maison. C'est parce que Rock, là, c'est la première fois qu'il accompagne au clavier. Mon père, là, il voulait pas manquer ça pour tout l'or au monde. Franchement, mon oncle Darius, là, moi, je trouve, là, qu'il reste pas mal longtemps dans la préhistoire. De toute façon, tu t'énerves pour rien, regarde. Les oups, ils se sont calmés. Ça veut rien dire. Regarde comme il faut. On est tranquille. Regarde comme il faut toi-même. Regarde leurs yeux. Quoi? Ils ont l'air tristes. Ouais, je vois pas ça, moi. Mais oui, ils ont l'air tristes. Ils essaient de se consoler parce que... parce qu'il n'y a rien dans l'oubrion. C'était l'offre encore, franchement. Mon oncle! Oh, c'est formidable! J'ai jamais été aussi contente de te voir arriver. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Eh bien, il se passe que tout fonctionne! T'as rendu compte? Aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a à peine une minute, j'étais en compagnie d'un homme préhistorique. Mon appareil photo. Mais quoi, ton appareil photo? L'hémisphère, j'ai oublié là-bas. Mais c'est une catastrophe! Comment ça? Oh, mais c'est une crève-catastrophe! Non, qu'est-ce que je dis là, moi? Une vraie catastrophe! S'il fallait que l'homme préhistorique mette la main sur cet appareil photo, c'est toute l'histoire de la photographie qui va être chambardée. Imaginez, l'appareil apparaît avant d'être inventé. Oh, malheur! Il faut absolument que je retourne dans le passé immédiatement, moi. Oh, non, par exemple. Oh non, tu retournes pas dans le passé, hein? Parce qu'il se passe quelque chose de trop important ici, dans le présent. Les oups sont là! Moi, je l'attends. Mais oui, mes petits oups. Non, je suis probablement revenu trop vite, alors ma tête est encore là-bas. Alors, du calme. Allons voir ça. Oui. Et puis? Pas d'erreur, les enfants. Il va y avoir du nouveau dans la maison. Il n'y a pas de doute possible. Voyez-vous, si l'oubrion n'avait pas été fécondé, eh bien, au bout de quelques heures, il aurait diminué de volume. Mais le fait qu'il ait doublé est un très, très bon signe. Yeah! Calmez-vous, les enfants. Vos cris semblent déranger les oups. Donc, chose certaine, tout semble tout à fait normal. Wow! Bon, eh bien, moi, je vais retourner faire un petit saut dans la préhistoire, histoire de récupérer mon appareil photo.
Vous savez, le Oups et la Oupsette sont les mieux placés pour prendre soin de l'Oubrion. Ils savent d'instinct ce qu'il a à faire. Alors, faut être patient. Pas patient, pas encore patient. Bon, bien, j'y vais. À tout de suite. Hey, ta caméra vidéo? Aucune chance à prendre. Le bruit pourrait attirer l'attention de l'homme préhistorique. Et je veux passer incognito. Sur ce, à tantôt. Peut-être que mon oncle Darius va revenir à temps pour le voir naître. Mais mon frère, mon père Doris, là, c'est pas sûr qu'ils vont revenir à temps, hein? Faut... Je peux pas croire qu'ils vont manquer ça. C'est pas tellement de leur faute non plus, hein? Non. Mais la caméra vidéo de mon oncle! Je vais tout filmer, comme ça tout le monde va pouvoir voir! Hey, c'est super! Génial! Ça. Dire qu'il y a un petit bébé Oups là-dedans, c'est vraiment spécial, hein? Ben, quand je pense que moi aussi j'étais comme ça, ben, pas dans l'Oubrion, là, mais dans le ventre de ma mère. Maman! Quand vous avez su, là, que vous étiez pour m'avoir, étiez-vous content? Content? C'est pas le mot. T'aurais dû nous voir. J'aurais dû, mais je pouvais pas, hein. Est-ce que je peux ouvrir mes yeux, là? Oh, juste une petite seconde encore, là. Bon, ça y est. Ouvre tes yeux. Wow! Doucement, super. Doucement, Robin. Ce sont des souvenirs très, très, très précieux. Hey! Des petites bottines de bébé! Mmh. Je peux pas croire que j'avais les pieds grands comme ça, moi! Ça, c'est-tu les bottines que j'avais quand j'ai commencé à marcher? Ah non, 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 celles-là, tu les avais quand tu te traînais à quatre pattes. Mais pourquoi il y en a deux, pourquoi il y en a pas quatre? Quatre? Ouais, oui. Mais oui, je me traînais à quatre pattes. Robin, mon petit coquin, toi! Oh, regardons ça, Robin! Hé, hey, des cheveux! Oh, tes premiers cheveux! C'était ton petit coq de bébé. J'étais blond! Oh, regarde ça, Robin! C'est ton petit bracelet que t'avais à l'hôpital. Robin Brizard. Hé, hey, il est bien petit! Ah, les souvenirs! Dans ce temps-là, on habitait un petit deux pièces. Puis ton père était encore aux études. Ah oui. Ah oui, elle est à l'École nationale du commerce. Mm-hmm. Mais voyons, je la retrouve pas. Quoi? Une photo de mon ventre quand j'étais enceinte. Il était tellement gros, là. Je pouvais m'en servir comme tablette. Hein? Ah oui. Hey, au huitième mois, là, il était énorme. C'est pas des blagues. Quand je prenais ma tasse de thé, je pouvais la déposer sur mon ventre. Huit mois? Je suis restée huit mois dans ton ventre? Oh, mais plus que ça, Robin. Neuf mois. Neuf mois? Mm-hmm. Mais maman, ça se peut pas, ça. Neuf mois, c'est presque toute une année d'école. Oh, c'est rien, ça. Les mamans et les femmes portent leur bébé pendant deux ans. Deux ans? Mm. Wow! Oh. Et c'est dommage que tu la trouves pas, hein, la photo, là, avec ton gros ventre tablette puis moi dedans. Oh, j'aurais aimé ça la voir. Et maman, quand je suis sortie, là... Oui. Puis que vous avez vu que c'était moi, là, qu'est-ce que vous avez dit? On n'a pas dit grand-chose. On trouvait pas les mots pour dire ce qu'on ressentait. Oh, je nous revois, là. Mais où est ton appareil photo? Oh! Oh! Ah bon? Juste là, tout près de lui. Oh, faudrait qu'il se retourne, sinon j'ai aucune chance de le récupérer. Oh, il se retourne. Profitons-en. Phew! Je l'ai échappé belle. Bon, bien maintenant, faut que je retourne au laborium. Mais cet homme m'intrigue. Hein, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans son crâne. L'homme commencerait-il à se poser des questions? Mais que cherche-t-il? Que cherche-t-il? C'est vrai que je viens de voir un éclair d'intelligence dans son œil. Oh! Oh, mais c'est formidable! J'assiste en ce moment à la naissance d'un balbutiement de pensée qui s'organise. Oh! Oh, mais oui! Tout s'éclaire! L'homme préhistorique est en train de se fabriquer un outil! Mais...
C'est vrai qu'à cette époque, rien n'existe et tout est inventé. Faut que j'aille voir ça de plus près, moi. Oh, oh, pardon. Excusez-moi. Non. Ne vous dérangez pas pour moi, hein. Faites comme si j'étais pas là. Mais qu'est-ce que je viens de dire là, moi? L'homme n'a aucune réaction. Mais voyons, l'homme serait-il sourd et aveugle? Mais non, mon hypothèse est fausse. Il est loin d'être sourd et aveugle, puisqu'il a réagi quand l'oiseau a passé. Passant, c'est un drôle d'oiseau, ça. Donc, une seule conclusion est possible. C'est moi qui suis invisible. Oh! Hémisphère de bisphère. C'est vrai qu'à cette époque, j'existais même pas, moi. Donc, je vois tout ce qui se passe dans le passé sans être vu moi-même. Oh! Regarde celle-là! Génial! Elle t'a trouvé deux petits souliers pour le bébé ours. Non, c'est mes bottines quand j'étais bébé, ça. Mais pourquoi deux? Comment ça, pourquoi deux? Pourquoi pas juste une, puisque t'avais les deux pieds dans la même bottine? Très drôle. Merci. Bon, maintenant, je suis prête pour le grand moment. Hein? Comment ça, grand-maman? Il y a une grand-maman ours? Mais non, le grand-maman, la naissance. Ah oui, la naissance. Et ma mère a cherché une photo d'elle avec moi dans son ventre pendant qu'elle me mettait la tasse de thé sur la tête. Hein? Oh, le soir, c'est trop compliqué. Oh. Et j'aurais aimé ça avoir une photo d'elle enceinte. Oh, que ce moment est mémorable. Je suis tout près de mon ancêtre lointain. Oh. Ah, ben, il faut que je prenne une photo, histoire d'avoir un souvenir de la préhistoire. Oh, il bouge. Ah, ben, c'est merveilleux. Il adopte justement une position photogénique. Bon. Ça. Tiens. Pour bien voir l'évolution de l'homme au cours des siècles, pourquoi n'irais-je pas me photographier à ce côté? C'est exactement ce que je vais faire. Ah oui. J'espère que même si je suis invisible, mon image va apparaître sur la pellicule. Enfin, on verra bien. Ou on verra rien du tout. Enfin, de toute façon, allez, Darius. Bon, sourions. Cheese, fromage, mozzarella. Hein? Un, deux, tiens! Non. Les oups, là, moi, là, ce que j'aimerais, c'est filmer l'ouvrillon tout seul. Hein? Mm. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas l'air à comprendre, hein? Non. Je sais pas si le bébé oups nous entend à l'intérieur. Youhou! Hé! Non, Robin, fais pas ça! Oui, mais nous, là, dans le ventre de notre mère, est-ce qu'on entendait quelque chose? On devait entendre son estomac crier, j'imagine. Ah oui. Puis est-ce qu'on peut ouvrir les yeux là-dedans? Ça doit. Sinon, comment tu veux qu'on voit par où on doit sortir? Tu penses? Non. Je sais pas plus que toi. Oh, mon oncle, enfin! Stella? Mais qu'est-ce que tu viens faire dans la préhistoire? J'ai encore la tête dans le passé. Oui. Ah, mon oncle, t'es revenu. Ah oui? Et oui. Ah, mais oui, je te reconnais, là. Enchanté, mon petit Robin. Non, mon oncle, est-ce que ça va? Je sais pas comment je me sens, mais je me sens un petit peu zigou-zigou. Ah, tu veux dire gouzi-gouzi? Ah oui, c'est ça, zigou-zigou. Mais je pense que c'est le choc du voyage. Uh-huh. Non, cette fois, Darius, je pense que tu es allé un petit peu trop loin. Tu me demandes pas des nouvelles des oups? Oui, oui, volontiers. Comment vas-tu? Ben non, pas lui, les oups. Mais je pense. Les oups, comment vont-ils? Ah, ils vont très bien, mais... Toi, là, je pense que tu devrais aller t'étendre un peu. M'étendre? Ouais. Très bonne idée. Où est la corde à linge? Il est drôle. Mais il est bon quand même, hein? T'as vu, il a réussi sa machine. Il est allé dans la préhistoire. Oui, mais moi, je suis habituée, hein? Depuis que je suis toute petite, que je le vois faire des choses spéciales. Ouais, c'est ça. C'était là, je l'ai. Quoi? Je l'ai le moyen pour aller voir comment ça se passait quand ma mère était enceinte de moi. Oh, non, non, Robin...
Tu penses pas à ce que je pense, là? Oui, oui, oui. Mais non, Robin, tu veux revenir aussi gousy-gousy que mon oncle? Mais non, lui, c'est parce qu'il est allé trop loin. Mais moi, j'irai pas trop loin. Je vais aller quelques années en arrière, c'est tout. Et Stella, viens avec moi. Viens! Non, non, non. Hey, qu'est-ce que vous avez dans tous aujourd'hui? Hey, il va y avoir un petit oups qui va naître, là. Moi, je veux pas manquer ça. J'ai pas le goût d'être ailleurs. Bon, mais je vais y aller tout seul. Comment ça se programme, la machine? Mais Robin, j'ai pas le temps, là. Je veux m'occuper des oups. La seule chose que je sais, là, oui, c'est qu'il faut que tu mettes la date, mm-hmm, ou l'année. Oui. Bon. Et puis ça, c'est quoi? Bon, ça, là, c'est pour avancer plus vite dans le temps. Hein? C'est comme une télécommande de vidéo, là. Hein? Oui. Bon. Le reste, là, tu le demanderas à mon oncle, hein, quand il va se lever. Ou plutôt, ouais, quand il va se décrocher de sa corde à linge. Oui. Bon, mais c'est pas compliqué, hein? Bon, je vais mettre la date de naissance. Ah non! 9 mois avant la date de naissance. Allez, oups, hein? Vous vous souvenez, hein, de ce que je vous ai demandé tout à l'heure? Je veux juste que vous vous poussiez un peu. Ah! Il est parti! Et c'était vite? Peut-être que Darius sera pas content, mais moi, j'avais le goût, je voulais venir. Je suis pas dans l'ancien appartement de mes parents, moi. Et peut-être que je suis chez des gens que je connais même pas. S'il fallait qu'il arrive... S'il fallait qu'il arrive, qu'est-ce que... Je peux pas rester ici, moi. Je... Non, non. Robin, fais pas ça. Calme-toi, là. Ma mère, elle m'a dit que c'était un petit appartement. C'est tout petit ici. Le journal. Je vais pouvoir vérifier le jour que je l'ai programmé. C'est super, ça. La date. Hé! C'est même la bonne année. Je pense que mon père, même à cette époque-là, il aimait ça lire le journal. Mm-hmm. On a... Il y a quelqu'un! Oh non, c'est pas vrai! Ma mère, elle a pas les cheveux comme ça. Je peux pas rester ici, il faut qu'il en aille tout de suite! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Maman? Je t'ai vue, Violette! Pourtant, je te l'ai dit de pas soulever le gros sac. Ouh. Ouh. Bonjour quand même, ma belle Vivi. Oh. Mmh. Puis, comment ça a été aujourd'hui? Oh, si tu voyais la pile de travaux que j'ai à faire. Pouvre vite, bon. Comment ça se fait qu'ils m'ont pas vu? C'est impossible, je suis pas invisible. Papa? Maman? Tu es parti bien vite dans ce matin. Ben, je comprends, j'ai pas entendu le réveil matin. Je suis arrivé en retard à mon cours. Oh, pauvre chou. C'est super, ça. Je suis invisible comme l'homme invisible. Je vais pouvoir les examiner comme il faut. Ils sont bien différents. Ils sont bien jeunes. Hey, je te dis que les choses sont rendues chères de nos jours. Tiens, je t'ai quand même acheté une tablette de chocolat. Oh, merci, ma Vivi! Sais-tu combien ils sont rendus, les tablettes de chocolat? 25 sous! Pas vrai? Mais je te le dis. Hey. Hey, peut-être que je me suis trompée de calcul, moi. Elle a même pas un gros ventre. Moi qui étais venue exprès pour l'avoir enceinte de moi. Non, mais c'est vrai, Violette. J'étais sérieux tout à l'heure. Je veux pas te voir soulever des gros sacs comme ça. Mais... Oublie pas que t'es peut-être enceinte. Mais, Léon, réjouis-toi pas trop vite. Hein. Oublie pas qu'il faut attendre le résultat du test que j'ai passé à la clinique. C'est seulement à ce moment-là qu'on va savoir si je suis enceinte. Oui, mais c'est bien long, donc, avant d'avoir ces résultats-là. Je vais appeler maintenant. Je t'attendais, je voulais qu'on soit tous les deux ensemble. Hein? On appelle? Oui.
la Clinique nationale? Ici Violette Brizard. Oui, je vous appelle pour avoir le résultat de mon test de grossesse. Oui, bon, d'accord. Puis? Un instant, là, ils sortent mon dossier. Oui, 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 oui. Oui, quoi? Ah, bon. Vous êtes certaine? Oui, je comprends, bon. Bon, merci, hein. Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le test est négatif, je suis pas enceinte. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Oh, oui, oui. Et que je suis nono de moi des fois. Je veux filmer la naissance du oups, j'installe tout et qu'est-ce que je joue? Oublie de mettre la cassette dans la caméra. Bon. Vous allez voir les oups, là? Je vais tout filmer. Ça va faire un beau souvenir. Oui. Puis quand Doris, mon frère, mon père vont revenir, là, pour voir, montrer la beau vidéo. Génial, hein? Mais quoi? Qu'est-ce que vous avez? Mais non. Vous allez voir. N'ayez pas peur. C'est pas mal du tout. C'est même pas dangereux. Même que c'est très amusant. Bon, allez, poussez-vous, là, que je vois l'oubrion, hein? C'est ça. Mais mon nom, Darius! Vite, viens voir! Bon, dans le fond, on n'est pas riche-riche. Je suis encore aux études. On remettra ça plus tard. Je vais utiliser l'avance rapide. Je vais aller plus loin. À un moment donné, elle va bien être enceinte de moi puisque je suis là. Oui, allô? Oui? C'est qui? C'est la clinique. Non? Non? Non, quoi? Bien, merci. Merci bien. Non, c'est pas grave. Violette, ils appelaient pour s'excuser. S'excuser? Bien oui, tout à l'heure, ils se sont trompés de dossier. Puis? Oui, Violette, t'es bel et bien enceinte! Oh! Chou! Bon, là, ça a du bon sens. Léon, t'es sûr que t'es content? Content? Regarde-moi! Oh, j'ai assez hâte de voir mon petit bébé dans mes bras! Une belle petite fille qui te ressemble! Oh! Oh, Léon! Hey, non! Je suis pas une belle petite fille, moi! Eh bien, Robin a eu une idée audacieuse. Avec la machine à voyager dans le temps de Darius, il se retrouve dans le passé de ses parents, alors que sa mère apprend qu'elle est enceinte. Arrivera-t-il à réaliser son rêve de voir Violette au moment où lui-même grandissait dans son ventre? Et Stella, aura-t-elle la patience de continuer à entourer d'attention les Oups et le Roubrillon? C'est ce que nous verrons dans la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Robin, Stella et Darius ont fait une étrange découverte. La Oupsette a accouché d'un oubrion qui n'en finit plus de grossir. Robin, lui, continue à se poser des questions sur sa naissance. De son côté, Darius vit une aventure pour le moins surprenante dans la préhistoire, grâce à sa machine à voyager dans le temps. Curieux de savoir comment c'était quand il était dans le ventre de sa mère, Robin décide d'utiliser la machine et se retrouve dans le passé, au moment même où Violette apprend qu'elle est enceinte. Voyons vite la suite de la palpitante aventure de Robin et Stella. Voyons. Si je peux arriver à la démêler, cette laine-là, je vais pouvoir commencer à tricoter des petites pattes pour mon beau petit bébé. C'est bien beau tout ça, mais quelle tête ils vont faire quand je vais arriver et qu'ils vont voir que moi, je suis pas une belle petite fille? J'ai tellement hâte de te voir la binette, là! Ah oui? Mais moi, j'ai hâte de vous voir la binette, maman. Léon! Veux-tu bien me dire, pour l'amour, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça, c'est une surprise! Je peux bien te le dire. J'ai décidé de construire, de mes propres mains, un berceau. Le berceau qui bercera notre petit bébé! Ah oui, ben oui, tu sais, sa belle petite fille, là. Ça, c'est une bonne idée, hein? Ah oui, c'est une bonne idée. Mais je trouve que tu t'y prends un peu tôt.
Tu te rappelleras que je suis seulement enceinte d'un mois, hein? Oh, on s'y prend jamais trop tôt. Et puis, de toute façon, toi, qu'est-ce que tu fais avec ta laine? Ah, bien... Ben, tu vois? T'as raison. Un mois? Mais seulement enceinte d'un mois? Encore 8 mois avant que je vienne au monde. Et je peux pas rester ici, moi. Mes parents vont s'inquiéter. Ben, je veux dire, mes parents du présent, là. Sais-tu, Violette, je dis que je veux construire un berceau de mes propres mains, mais il faudrait peut-être que je commence par aller les laver. Bon, oh, blagueur, va! Je l'ai! L'avance rapide. Avec la télécommande, je vais pouvoir aller voir plus loin. Peut-être que c'est assez. Je me demande où je suis rendue. Ça avance, ça avance. Ça avance pas vite, mais ça avance. Veux-tu voir, Violette? Regarde. Ta-da! Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben... Qu'est-ce que t'es en train de faire, déjà? Ma Violette, franchement... Voyons donc, Léon, tu sais bien que je plaisantais. Non, je te fais confiance. Il te reste encore du temps, là, ça va finir par faire un berceau. Mm. Et puis toi, comment ça avance, tes pattes? Ah, bien... Ça avance, ça avance. Ça avance pas vite. Mais ça avance. Ouais. Il est pas tellement gros, son ventre. Je pense que je vais aller voir un peu plus loin. Oh, là, il a-tu passé pas mal de temps. Oh, avoir su, j'aurais commencé à faire le berceau avant de faire le bébé. Oh, t'es encore en train de travailler là-dessus? Léon, ça fait 4 mois que tu tapes sur le pouce. Pas 4 mois? Mais oui. T'as commencé à te taper sur le pouce, j'étais enceinte d'un mois, puis là, je suis enceinte de 5 mois. Ben, t'as raison. 5 moins 1, ça fait 4. Mais oui, c'est vrai, son ventre a grossi. Et dire que je suis là-dedans, puis j'ai 5 mois? Hé, hey, 5 mois? Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit à la clinique? Tout va bien? Notre petit bébé est en forme? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il y a, Violette? T'as un drôle d'air? Léon, j'ai quelque chose à te montrer. Quelque chose qui te fera peut-être pas plaisir. Qu'est-ce que tu veux dire, Violette? J'ai passé une échographie. Une échographie? Oui, oui, tu sais bien, là, pour voir le bébé à l'intérieur. Oui, je sais, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Je serais allée avec toi. Mais je te l'ai dit, Léon, mais tu pouvais pas venir. T'avais un examen très important. C'est pourtant vrai. Comme ça, tu l'as vu, notre bébé, à l'intérieur. Tu l'as vu? Oui, j'ai même l'épreuve photographique avec moi. Oh, oh, monte-moi ça, Violette, monte-moi ça plus vite! Oh, c'est notre petit bébé! Oh, oh, puis il est photogénique en plus! Oh, tu trouves pas, Violette? Ah, ça, c'est une belle surprise. C'est pas ça, la surprise, Léon. Ah non? Qu'est-ce que c'est? Tu remarques rien? Non. Tu vois pas le... Le petit bout qui dépasse, là, là? Mais regarde-moi ça. C'est un petit pénis. De quoi? Oui, oui, t'as bien entendu, Léon. Mais ça veut dire que c'est un petit garçon? J'espère que t'es pas trop déçu, hein? Ben, déçu, comment ça? Mais tu voulais avoir tellement de petites filles, là. Une petite fille? Ben, c'est pas toi qui voulais une petite fille. Moi? Mais jamais de la vie. Un petit garçon, une petite fille, ça fait mon bonheur. Moi, je disais une petite fille, mais j'aurais pu aussi bien dire un petit garçon. Un petit garçon. Oh! Oh là, je suis contente. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. L'embryon est pas mal gros. Puis il est tout bizarre. J'espère qu'il grossira pas encore. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les Oops? Pourquoi ils restent dans leur tanière? On dirait qu'ils veulent plus s'occuper de leur embryon. C'est mon oncle! Mon oncle! Darius, réveille-toi! S'il te plaît, réveille-toi! C'est important! Viens! Mon oncle! Il dort donc bien dur, lui. Il est débrouillé toute seule, hein? Je sais! Je vais appeler Olga Minoucha. Elle connaît bien les animaux. Peut-être qu'elle va pouvoir m'aider. Hey! Hey, mon oncle! Jean-Marie, Jean-Paul, Jean-Pierre... Jean-Raymond. Jacob... Regardons dans les herbes.
voir. Ah, allons-y pour les airs. Hein? Rémi, Richard, Robert, Rinaldo. Rémi, je déteste pas ça. Oui, ouais, Rémi, ça me plaît, moi aussi. Hein? Bon, continue un peu. Bon, c'est ça. Rock, Rogatien, Robin, Roger, Romuald. Non, en fait, Violette, je pense qu'on trouvera pas mieux que Rémi. Non, Robin, c'est beau. Si vous m'appelez Rémi, là, je me reconnaîtrai plus, moi. Léon, t'es passé un peu vite sur un prénom, là. Robin, j'aime bien ça, moi, Robin. Qu'est-ce que t'en penses? Robin? Ben, essaie donc de l'appeler pour voir. Robin? Robin, viens ici, là! Ouais, ben ça sonne pas si mal. Hein? Robin Brizard. Oh, oui, j'aime ça, Robin! Oui, Robin vendu! Ah, qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, j'aime ça. Oh, vous êtes sortis! Yay! Vous m'avez fait séparer, vous autres. Il lui donne des beaux becs! Mais ça veut dire que tout est normal? Normal! Celle-là, tu t'en faisais encore pour rien. Hé, Darius! Hé, mon nom, Darius! Et tu joues à l'homme préhistorique? Ça paraît que t'en as vu un vrai, hein? Tu l'imites bien? T'es jamais! Oui, c'est ça! C'est bon. Faut pas que j'aille trop loin. Wow! Il a bien un gros ventre. Et tu bouges! Bonjour, ma belle baleine! Oh, bonjour, mon Léon! Comment ça a été aujourd'hui? Bien, sauf que je m'endors tout le temps. C'est normal, ça prend de l'énergie pour porter un petit toxon de 6 mois et demi. Oh, des fois, je me demande comment tu fais. Et puis toi, mon Robin? Oh, il gigote, il gigote! Oh, tu gigotes, toi, tu gigotes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, notre fils vient de me donner un coup de pied en plein visage. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu joues au soccer? Oh, tu me fais rire quand tu lui parles comme ça. Mais tu sauras, Violette Brizard, qui entend à l'intérieur. J'ai lu ça dans un livre. Justement, en revenant, je suis allé chez un marchand de musique. Hey, même dans ce temps-là, il était maniaque de musique, lui. Et regarde ce que j'ai trouvé. Oh, berceuse classique. T'es sûr que c'est pour le bébé que t'as acheté ça? C'est pas plutôt pour toi? Non. C'est d'abord et avant tout pour le bébé. Et puis, pour toi aussi. Mais oui, parce que c'est la berceuse que t'aimes tant, celle que tu fredonnes toujours. Ma berceuse est là-dessus? La musique de ta berceuse. Oh! Et c'est sur cette note-là que je vais commencer à former l'oreille musicale de notre fils. Tu vas voir, bouge pas! C'est pas à moi, c'est à lui qu'il faut que tu dises ça. Hey, j'en reviens pas, mon nom, comment t'es bon pour imiter les hommes préhistoriques. Ton maman, là, génial! Allez, oups! J'ai trouvé le premier cadeau pour votre bébé oups! Ta-da! Regardez, c'est une roue d'exercice. Et ça, là, ça va le mettre en forme, hein? Il y a juste à se mettre à l'intérieur, puis là, il va tourner! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais plus, moi, quoi vous donner. C'est quoi votre problème, hein? Hé, Darius! Darius! Viens m'aider. Alors... s'il te plaît. Et oups, là, ils veulent quelque chose, mais moi, je... Darius, arrête de faire du bruit! Je te parle! Darius! Qu'est-ce qu'il est pas, lui? C'est le genre pourtant de faire une mauvaise blague comme ça. Bon, les oups, là, hein? C'est quoi, là? C'est quoi vous voulez, hein? Peut-être que vous avez soif, hein? Peut-être que... Hein? Peut-être que c'est ça, hein? Je vais aller vous chercher de l'eau, hein? Attendez-moi, je reviens tout de suite. Ils sont vraiment drôles, hein? Puis, est-ce que ça a l'air de les calmer d'écouter des berceuses? T'avais raison, mon Léon. Il a arrêté de bouger. Bon. Et maintenant, un bon petit jus de carotte. Oh, pas encore, Léon. Mais Violette, c'est important que tu te nourrisses bien.
Tu sais que tout ce que tu manges se rend directement au bébé par le cordon ombilical? Mais voyons, mon Léon, je sais tout ça. Bon, mais bois, Violette, bois. Oh, j'entends des glou-glou. Je me demande comment c'est là-dedans, moi. Il n'y a pas de temps à perdre, là. Le grand jour approche, il faut que je termine mon berceau, moi. Et c'est super, hein, papa? Je vais naître bientôt. Wow. Regardez, les oups! Je vous ai apporté de la bonne eau fraîche. Hein? Allez! Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Vous avez pas soif, là? Mais je sais plus, moi, de quoi faire. Je sais plus. Oh, il me semblait aussi que ça arriverait. Bon, hey, moi, Darius, là, hein? C'est plus drôle du tout, ton petit jeu, là. Parle-moi, explique-moi qu'est-ce que tu fais. Mon oncle Darius! Non, cette fois-ci, tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu fais. Mon oncle Darius! Parle-moi! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est vraiment long, hein? Je pense que je vais avancer encore un petit peu. C'est comme ça quand elle me mettait la tasse de thé sur la tête. Bon bisou, mon bijou. Bon dodo, mon bébé. Bon bisou sur les joues. Bon bisou sur le nez. Ton toutou tout près. Ton doudou tout douillet. Bon bisou. Le chaton fait ronron, couché dans son panier. Le hibou dort debout sur sa branche perchée. Bon bisou, mon bijou, bon dodo, mon bébé. Bon bisou sur les joues, bon bisou sur le nez. Les étoiles ont des pattes. Cache-caché, chatouillis. L'oreiller perd une plume. La journée est finie. Bon bisou, mon bijou. Bon dodo, mon bébé. Bon bisou sur les joues. Bon bisou sur le nez. Ton toutou tout près. Ton doudou tout. Bon bisou, mon bijou, bon dodo, mon bébé. Hey. Il me semble que je m'en rappelle quand ma mère me chantait ça. Je vais avancer un tout petit peu. Pas trop, sinon je vais dépasser ma date de naissance. Oh, wow! Et je dois arriver bientôt, ma mère plie mon petit linge. Oh, mon Dieu, je pense que ça y est. Quoi? Oh oui. Oh oui, cette fois, c'est ça. C'est une contraction. Ah oui? Hé! Oh. Hey, je m'en viens, là! Puis Léon qui est pas là? Oh, c'est vrai, mon père est pas ici. Oh. Oh oui, c'est une bonne idée. On va l'appeler, maman. Vite, vite, vite. Téléphone. Vite, dépêche-toi. Hey! C'est donc bien, là, avec ces vieux téléphones, là aussi, hein? Vite, maman, je t'en supplie, vite. Oui, Monsieur Zéphyr, c'est Violette. Léon devait aller chez vous après ses cours. Est-ce qu'il est là? Oh, parfait, oui. Pouvez-vous le passer, s'il vous plaît? Vite, 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 papa! Oh, oui, Léon? Je pense que ça y est! Léon? Léon? Il doit déjà être en route. Oh, c'est merveilleux! Oh, je vais enfin pouvoir voir mon beau petit bébé! Oh, oh calme-toi! Oh, calme-toi, la Violette! Fais tes exercices de respiration, hein? Oui. Oui, du calme, Romain. Fais tes exercices de respiration, hein? Oh, tu t'en viens, mon beau petit Romain, tu t'en viens! Oh, non! Je peux plus attendre, maman! C'est trop énervant, ça! Oh, je vais avancer juste un petit peu. Bon, là, mon père, regarde. Mais voyons, Léon, comment ça se fait qu'il n'arrive pas? Oh, ça fait plus d'une demi-heure que je l'ai appelé. Ça commence à être urgent, là.
Oh, oh, calme-toi, calme-toi, Violette. Là. Concentre-toi sur ta respiration, hein? Oui. Oh. Comment ça se fait, ça, qu'il arrive pas, mon père, hein? Hey, il faut que je fasse quelque chose. Oui. Si j'arrive au monde, là, puis je sais pas quoi faire, puis je peux même pas aller te reconduire à l'hôpital, je sais pas où elle est, l'hôpital, ici. Oh, il y a peut-être une solution, par exemple. Eh bien, j'en reviens pas de tout ce que tu me racontes, là. Ah, bien, ça doit être vrai quand je vois comment je t'habille. Oui, ça a commencé quand t'es revenu de la préhistoire. T'étais complètement zigou-zigou. Non, tu veux dire gouzi-gouzi. Non, zigou-zigou. Enfin, je me comprends. Oh, mais moi, je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Oh, ma tête. Oh, mon doigt, j'ai mal au doigt. Non, je suis probablement allé trop loin dans la préhistoire, moi. En tout cas, moi, là, je suis très contente que tu sois redevenue normale. Tu vas pouvoir m'aider. Viens. Hein? Parce que les Whoops, là, ils veulent quelque chose, mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent. Mais les Whoops ont disparu, mon nom. Mais voyons, c'était là, ils doivent pas être très loin. Et écoute, va voir dans le reste de la maison. Et puis moi, bien, écoute, je vais faire le tour du laboratoire. Oui, je vais. Va voir, va voir. Bon, non. Oups! Oupsette! Non, oupsette! Oh, Robin! Mais qu'est-ce que... Oh. Darius, hein? C'est ma mère! Hein? C'est ma mère! Elle va accoucher de moi! Ta mère? Ta mère? Oui, ma mère! Ta mère du passé est venue dans le présent? Oui. Mais Robin, faut pas utiliser cette machine-là comme un jouet! Faut que ta mère retourne dans le passé, sinon c'est toute l'histoire de ta naissance qui va être chambardée! Non, mais Darius, tu comprends pas? Il faut l'amener à l'hôpital tout de suite! Sinon, elle va accoucher de moi d'une minute à l'autre! Robin, écoute-moi! Comprends! Puisque tu es là maintenant, ça veut dire que dans le passé, quand ta mère a accouché, tout s'est bien passé, oui. Non? Oh non! Hey, j'ai vraiment fait une gaffe en l'amenant ici, hein? J'arrive, Violette! Excuse-moi, c'est un peu là. Mon taxi était coincé dans un bouchon de circulation. Violette? Oh non, tu m'as pas qu'elle est partie? L'hôpital, on t'appelle pour savoir si elle est déjà rendue. Bon, ne t'inquiète pas, Robin, ça peut s'arranger. Oui. Bon, alors, programmons. Entre ta date de naissance. Bon, éloigne-toi maintenant. Et appuie sur le bouton. Bon voyage, maman. Personne du nom de Violette Brizard n'a été enregistré à l'hôpital. Mais elle peut quand même pas être allée faire une commission dans son état. Bon. Non seulement ma femme est disparue, mais en plus, je vais manquer la naissance de mon fils. Je suis calme. Je suis calme. Violette! Oh, Léon, enfin, t'es arrivé! Mais Violette, viens, viens vite à l'hôpital! Vite! Bon, si tout s'est bien passé, Madame Brizard devrait être chez elle. Darius, je veux y aller. Je veux aller à l'hôpital avec non, eux. Non, Robin, écoute-moi. Je te l'ai dit tout à l'heure, cette machine-là, c'est pas un jouet. Mais si je peux pas retourner dans le passé, là, je vais aller demander à mes parents comment ça finit. Les Oups, maintenant. Vite! Darius, j'ai retrouvé les Voyons, Whoops. voyons, Stella, qu'est-ce encore que cette panique? Mais tu les as trouvés, donc il n'y a pas de quoi s'énerver. Mais ça bouge! Ça bouge? Oh. Ah, tiens, Robin. Veux-tu une petite collation, mon pire? Oui. Jus de carotte. Jus de carotte? Depuis quand t'aimes le jus de carotte, toi? Oui, ça fait longtemps. Hey, papa, est-ce que t'es arrivé à temps à l'hôpital quand je suis née? Te souviens-tu, Violette? Après mes cours, j'étais allée chez mon père pour porter je sais plus quoi. Puis tout à coup, je reçois un appel téléphonique. C'était moi qui l'appelais. J'ai à peine eu le temps de lui dire, Léon, je pense que ça y est. Plus personne au bout du fil. Biscuit que j'étais énervé. Je pense que j'ai passé au travers de la porte. Alors là, moi j'arrive à la maison. Sais-tu quoi, Robin? Non. Pas de Violette! Mais voyons donc, Léon, puisque je te dis que j'étais là, là, j'ai pas bougé, j'étais là en train de faire mes respirations, là. Mais je devais être trop énervé, je te dis, je suis entré, je t'ai pas vu. Mais j'étais là! Ah, ça restera toujours un mystère. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé après? Ben, c'est toi qui est arrivé après. Oui, puis je te dis qu'on est arrivé juste à temps à l'hôpital. Mm. Oh, un peu plus, puis tu venais au monde dans le taxi. Ça aurait été drôle, hein? Je suis pas sûre que ça aurait été si drôle, moi. Qu'est-ce que j'avais l'air quand je suis sortie? Bien, au début, t'avais pas l'air content. T'étais mauve, puis t'as poussé un de ces cris, ben! J'étais mauve?
Ah oui, la plupart du temps, les bébés sont mauves à la naissance. Ah. Oh, je te dis que c'est assez impressionnant. Ouais, j'ai tellement de questions, là. Ben, on va essayer de t'expliquer ça du mieux qu'on peut. Ouais. Encore un peu de thé, Violette? Oh! Hey, comme ça, vous avez voulu m'appeler Rémi? Rémi? Qu'est-ce qui t'a dit ça, toi? Rien, faut que j'aille voir cette Stella. Robin, ton jus de carotte? Robin, vite, viens voir, les Oups sont là! Ils sont dans ton lit? Oui, je pense que je sais pourquoi ils sont venus ici. Pourquoi? Parce que c'est plus chaud? Oui, il y a ça, mais il y avait tellement de bruit dans le laborium, là. Mon oncle Darius, il s'amusait à casser des pierres. Ah bon? Parce qu'en plus, je cassais des pierres? Oui. Incroyable. Stella, quand nous aurons une minute, il faudra que tu me racontes tout ce que j'ai fait pendant que je me prenais pour un homme préhistorique. Hé, regardez! Aubryon bouge. Mais qu'est-ce que je vous disais? Hein? Je veux pas rêver, hein? Mes enfants, je crois qu'effectivement, leur approche. Oh, oh! Nous allons enfin voir la tête de cette petite bête qui se cache dans cet Aubryon! Hein? Hein? Oh, 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 wow! Je suis toute énervée, moi, là! Hey, c'est la première fois que je vois ça? Oh, wow! Oh, la vidéo! Hey, tu veux pas que je le fasse à ta place? Non, ça vient de bouger encore! Oh, mais là, c'est sérieux, les enfants! On voit que le bébé Oups a la ferme intention de voir le jour! Ils sont des bons parents, hein? Regardez, on dirait qu'ils l'aident! Quel spectacle merveilleux! Robin est heureux d'avoir amené ses parents à répondre à ses questions. Il n'a pas fini d'en poser. C'est tellement passionnant d'en savoir plus sur les mystères de la vie. Stella aussi peut être fière d'elle. Elle a bien entouré les Oups lors de la naissance de leur magnifique petite Oupsie. Et vous, mes amis, si vous en avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Et surtout, ne manquez pas de nous revenir pour une nouvelle et palpitante aventure de Robin et Stella.